Dialogue numéro 1, à la rencontre de Simon. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Simon. Tu as quel âge, Simon? J'ai 8 ans. Tu habites où? J'habite à Bordeaux. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Et ta sœur s'appelle comment? Elle s'appelle Élodie. Élodie a quel âge? Elle a 14 ans. Ah, donc c'est une adolescente. Oui. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime Noël. Tu aimes l'hiver? Oui, et j'adore la neige. Il y a beaucoup de neige à Bordeaux? Non. Ça me rend triste. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas l'été. Bon, merci Simon. Je vais te laisser maintenant. Merci et à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Salut! Dialogue numéro 2, les chiffres. Bonjour, aujourd'hui nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les chiffres. Et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 0. Z, E accent aigu, R, O. Très bien. Tu vois que c'est facile. 1 U N 2 D E U X
Bravo, tu connais bien les lettres. Merci. 3 T R O I S. Quatre. Q U A T R E. C'est parfait. 5 C I N Q. 6 S I X. Pourquoi tu as peur? Tout va bien. Oui, c'est vrai. 7 S E P T. 8 H U I T. 9 N E U F. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les chiffres. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut. Dialogue 3 à la découverte du verbe être. Je vous présente Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe être au présent? Oui. Pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je suis. S U I S. Tu es E S. Il, elle, il est, elle est E S T. Nous. Nous sommes. S O M M E S. Vous êtes. E accent circonflexe T E S. Ils, elles, ils sont, elles sont. S, O, N, T.
Félicitations, Cécilia. Tu es très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Dialogue numéro 4, une nouvelle rencontre au travail. Bonjour, vous êtes nouvelle ici? Oui, c'est mon premier jour. Je me présente, je m'appelle Laurent. Enchanté Laurent, moi? C'est clair. Et tout se passe bien? Oui, je cherche juste la machine à café. Elle n'est pas très dure à trouver. Tant mieux. Vous devez d'abord prendre l'ascenseur. Et je vais à quel étage? Vous allez au troisième étage. C'est à côté de l'ascenseur? Pas vraiment. Mais c'est où alors? Quand vous sortez de l'ascenseur, vous tournez à droite. D'accord. Je tourne à droite et ensuite... Ensuite... Vous continuez tout droit jusqu'à la salle de réunion 3B. Très bien, et c'est là? Oui, c'est juste sur votre gauche. Ah, parfait. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, mais je pense que ça va aller. Bon, eh bien, bonne journée et à bientôt. Merci encore et à bientôt. Dialogue numéro 5, Mathieu nous présente l'alphabet. Bonjour Mathieu, je te dérange? Non, je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non, je voudrais juste que tu lises l'alphabet pour nos amis.
Ah bon, eh bien pas de problème. Tu peux commencer quand tu es prêt. D'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde, je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? On y va. A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Dialogue numéro 6, les couleurs de Pierre le peintre. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très très bien, merci. Tu adores toujours la peinture? Oh oui, plus que jamais. Tu as une minute pour nos amis? Bien sûr. Pourrais-tu nous dire les couleurs que tu préfères? Bien entendu. La première, bleu. La deuxième, rouge. La troisième, vert. La quatrième, jaune. La cinquième,
marron. La sixième, beige. La septième, rose. La huitième, violet. La neuvième, orange. La dixième, gris. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Tu veux dire quelque chose? Oui. Je voudrais dire les deux couleurs que je préfère par-dessus tout sont le noir et le blanc. Dialogue numéro 7. Pompier, quel métier magnifique. Dis-moi, Maxence, quel métier feras-tu plus tard? Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai une petite idée. Est-ce que tu veux toujours être policier? Non, je n'aime pas les armes. Et pourquoi pas écrivain? Tu adores les livres? C'est vrai, mais je voudrais un métier plus excitant. Tu pourrais devenir pompier. Oh oui, ça c'est une bonne idée. Tu n'as pas peur du feu? Pas vraiment. Tu aimes faire du sport? Un pompier doit toujours être en forme. Oui, j'aime bien faire du sport. Est-ce que tu peux te réveiller facilement en pleine nuit? Pardon? Les pompiers doivent sauver les gens le jour et la nuit. Vous êtes sûr? Ah oui? Ça va être difficile. Pourquoi? Ma mère me dit toujours que je dors comme une marmotte. Ah, c'est vrai que ça peut être difficile. Oh, c'est dommage. Bon, eh bien, tu as encore le temps d'y réfléchir. C'est vrai. Et il y a tellement de belles professions. Je vais trouver un jour.
Dialogue numéro 8, à la découverte du verbe avoir. Vous connaissez déjà Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe avoir au présent? Oui, pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. J'ai A I Tu as A S Il a Elle a A Nous Nous avons A V O N S Vous Vous avez A V E Z Ils ont Elles ont O N T Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Dialogue numéro 9, de 10 à 20. Bonjour, aujourd'hui, nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 10 à 20 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 10. D, I, X. Très bien. Et tu vois que c'est facile. 11. O. N. Z. E. 12. D. O. U. Z. E. Bravo. Tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. 13. T R E I Z E. 14. Q U A T O R Z E. C'est parfait. 15. Q, U, I, N, Z, E. 16.
S-E-I-Z-E. Je trouve que tu es très forte. Merci, monsieur. 17. D-I-X. Trait d'union. S-E-P-T. 18. D-I-X. Trait d'union. H-U-I-T. 19. D-I-X. Trait d'union. N-E-U-F. 20. V-I-N-G-T. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les nombres de 10 à 20. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut. Dialogue numéro 10, les voyelles. Bonjour Mathieu, tu as une minute? Non, je lis un livre très intéressant. Ce n'est pas très gentil. Je sais, mais ce livre est captivant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Bah, ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non. Nous allons voir les voyelles ensemble. Oh, c'est trop facile. Facile pour toi, mais très utile pour nos amis. D'accord. Tu es prêt? Une seconde. Je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? Oui, on y va. A. E, I, O, U, Y. Et maintenant, combinons les voyelles avec I. A plus I. E plus I est. O plus I oua. U plus I oui. Et maintenant, combinons les voyelles avec U. A plus U, O. E plus U, E. O plus U, OU. Et maintenant, combinons les voyelles avec N. A plus N,
En. E plus N. En. I plus N. Un. O plus N. On. U plus N. Un. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. À bientôt. Salut.